ils sont là. Les chacals. Et je vous propose tout de suite de passer au petit bac, les amis. Le petit bac. Alors, on a fait des nouvelles règles cette année. Du coup, bah, je vais vous donner les nouvelles règles. Hein. Cédric va affronter quelqu'un de l'équipe. Vous aurez chacun 30 secondes pour trouver un maximum de mots commençant par une lettre donnée dans une catégorie bien précise. Alors du coup, Cédric, j'espère que ça va être une catégorie qui m'avantagera. Ah bah c'est ce qu'on va voir. Sachant que si c'est toi qui gagne, du coup, nous on a un petit, pas vraiment un gage, mais on va dire une petite sanction de notre côté. Mais c'est volontaire, c'est normal. C'est parce qu'on fait une cagnotte en fait, et à la fin de l'année avec cette cagnotte, on offre un cadeau aux auditeurs. Alors, du coup, tu nous as dit hors antenne que tu voulais qu'on fasse un Shifumi pour savoir quel animateur tu allais affronter. Ouais, c'est ça. Mais après, je suis en train de me dire, un Shifumi, ça se fait à deux, donc un peu plus compliqué. Bah alors, moi, je propose une chose. C'est que... Vous faites un tournoi de Shifumi. Non, mais sinon, ce qu'on a dans le studio, on a une roue. On va faire tourner la roue, et en fonction de où ça tombe sur la roue, on décidera du coup. Genre le premier quart de la roue c'est moi, le second quart c'est Damien, le troisième c'est Mathieu et le dernier c'est Clem. On fait ça ? Très bien, ça me paraît bien ça. Allez, on fait ça. On va mettre la caméra sur... Mettons la caméra sur la roue. Alors, hop. Voilà, et du coup on va faire tourner la roue, c'est parti. Attendez, je vais regarder. Oh, c'est une très très belle roue. Elle est belle, hein. Tu dis quoi ? Ah, c'est une belle roue. Magnifique. Ikea. Ah oui, elle vient d'Ikea. C'est le premier quart numéro 7. Premier quart numéro 7, donc c'est moi. C'est moi qui vais jouer. Donc du coup, bah, Damien, c'est toi qui vas animer. Ok. Et Mathieu, tu notes les réponses, tu fais juge, Mathieu. Ou l'inverse, hein, parce que j'ai déjà animé, donc je veux bien... Ou l'inverse. Écoutez, vous savez quoi ? Vous vous démerdez. Ouais, j'ai mis un... C'est qui a décidé de la lettre et du... Ah non, c'est pas encore fait. C'est moi qui décide de la lettre, en fait. Ah, ok, et de la catégorie. Voilà, ça, on te le dit au dernier moment, parce que sinon, on aurait trop le temps de réfléchir. Bon, Chris, va t'isoler. Eh ben, je vais m'isoler. À tout à l'heure. On fera toc-toc. Donc le temps qu'il s'isole, est-ce que Cédric, tu es prêt ? Oui, je suis prêt. Alors moi, je suis pas prêt, je te l'avoue. Forcément. Bon, je veux dire que je suis pas prêt non plus alors. Voilà, personne n'est prêt comme ça. Alors, c'est ce qu'il faut noter. Donc la catégorie, je vais pas parler trop fort parce qu'il est derrière la porte, ce sera une ville. Voilà. Oh putain de merde. Et la lettre, ce sera, t'es prêt ? La lettre M. 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 Non, M, comme Mathieu par exemple. D'accord. Alors le maximum de villes en M maintenant. Maintenant là ? Allez, vas-y. Il y a qu'une minute. Alors la ville de mon cul déjà, hein. Ouais. Malville à côté de chez moi, Mulhouse, Montauban, Milan, Montagne, j'en sais rien mais je suis sûr que ça existe. Est-ce qu'il y a un village qui s'appellerait pas Merde ? Oh je pense, hein, peut-être. Bon, c'est fini. Non, c'est fini. Donc on va... J'ai frappé pour Chris, je reviens. Mathieu est occupé ? Non, je suis en train de regarder si merde ça passe. Merci Warfo, c'est vrai que les villes c'était... Retour avec mon verre de citronnade. Ah, ton petit verre de citronnade. Exactement, je me rassois juste un petit seconde. Voilà. C'est bon, je suis de retour. Tu es de retour, est-ce que tu es prêt ? Je suis prêt, c'est quand tu veux. Alors, ça sera la lettre... la catégorie sera la ville. Une ville, ok. Et la lettre, ce sera la lettre M. Je suis nul en géographie, allez. M. Ça me rassure, je suis pas tout seul. Alors, on a Maubeuge. Une ville, ouais, Maubeuge, c'est une ville. nous avons... Mantes-la-Jolie. Nous avons... Montaigu, nous avons Montpellier, Marseille. Enfin, je m'étonne moi-même là en vrai. Nous avons quoi d'autre ? Stop ! C'est trop tard. C'est fini. À mon avis, on n'est pas loin. Alors, Mathieu va débriefer. Mathieu est juge, donc s'il y a des réponses un peu douteuses, c'est lui qui tranchera. Alors, on va commencer par Cédric. Alors. Je fais par la première que je vais pas accepter parce que je l'ai pas trouvé. Donc la ville merde n'existe pas. Oh, je suis sûr que non, bon. Alors, tu l'as peut-être pas fait exprès mais t'as dit montagne. Et sache que ça existe, c'est près de chez nous mais c'est oui, la montagne, bravo. Mais ouais. Je le prends. Ah mais oui, c'est vrai, mais oui, il y a la montagne, oui. Milan.
très bien. Montauban, je prends. Mulhouse, je prends. Malville, surtout. Malville, je prends. Et le premier, j'ai noté Monteul. Je crois que je me suis planté. Non, c'est mon cul. Ah, mon cul, voilà. C'est ah, mais oui, il y avait ça aussi. La ville de mon cul. Donc, j'en suis à 6. Oui. Ensuite, Chris. Maubeuge, je prends. Mantes-la-Jolie, je prends. Montaigu, je prends. Montpellier, je prends. Marseille, je prends. Je suis désolé, Chris. Du coup, tu vas devoir 2 balles. Ah, à un près. Bon, bah, ça ne doit pas être loin. À 5, j'ai 5 points, ouais, du coup, c'est ça. Ah ouais, là là. Eh bah, bien joué en tout cas, Cédric. Bien joué à toi. Et j'ai gagné grâce à mon cul. Merci.